La Minute des Chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle des idées de lecture pour rendre votre vie plus slow d'Alice. Parce qu'il n'y a pas que L'éloge de la lenteur de Carl Honoré, le succès de référence du domaine paru en 2013, Alice vous prouve que bien de l'encre a coulé sur les pages du Slow Way of Life depuis, avec une sélection variée que nous explorerons en plusieurs épisodes. Cette première partie s'intéresse à l'organisation du monde du travail. L'insoutenable productivité du travail, c'est le titre de l'essai de Mireille Bruyère aux éditions Le Bord de l'Eau. Économiste, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse, elle est interpellée par le paradoxe mis en lumière par ses collègues de sciences humaines et sociales. Des formes nouvelles de souffrance au travail se font jour, alors même que la pénibilité au travail a diminué au fil des siècles. Si vous aussi, ce constat vous questionne, elle propose une analyse pluridisciplinaire à la croisée de l'anthropologie, la psychanalyse et la philosophie. Et si pour réussir, il fallait travailler moins ? Si vous ne comptez plus le nombre de fois vous avez frôlé le burn-out, si vous vous imposez un rythme intenable, si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit, craignant de ne jamais venir à bout d'un projet, d'une idée, alors ce livre est pour vous. Voici ce que vous lirez sur la quatrième de couverture du livre suivant qui se veut l'antidote à l'épuisement professionnel. Overbooké, comment se libérer du culte de la productivité chez Duno, de Rafa Harfouch. L'auteur, anthropologue du numérique et consultante en stratégie digitale, est aussi enseignante en innovation et business models émergents à Sciences Po Paris. Elle propose dans cet ouvrage de repenser durablement la façon dont nous travaillons pour nous affranchir de nos croyances professionnelles toxiques. Dans la foulée, peut-être vous jetterez-vous dans « J'arrête de travailler, les clés du frugalisme » de Gisela Enders. Le frugalisme, c'est ce mouvement originaire des États-Unis qui consiste à prendre une retraite très précoce en s'assurant une indépendance financière par divers moyens, tels les placements financiers et une modification de sa consommation, bien entendu. Les témoignages de ces personnes ayant réorganisé toute leur vie pour ne plus dépendre de l'argent et se libérer de la recherche perpétuelle de moyens d'en gagner vous inspireront peut-être. Et pour aboutir cette réflexion sur le rythme de nos vies, les hommes lents, résister à la modernité du XVe au XXe siècle chez Flammarion de Laurent Vidal. Ce titre ne laisse pas indifférent car il n'est pas facile de remettre en question la pensée dominante, estime l'auteur. On s'interroge énormément récemment sur les discriminations, mais s'il en est bien une réelle mais qui passe inaperçue, c'est bien celle fondée sur le rythme de vie et le rapport à la lenteur, entre les lents et les rapides. On voit très vite la kyrielle d'adjectifs positifs que l'on apposerait bien volontiers au premier. Mou, inutile, tandis que les seconds récolteraient les éloges, rapides, efficaces et précis. Laurent Vidal, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, rappelle que c'est l'époque moderne et industrielle qui a érigé la vitesse en vertu et inventé un vice, celui de la lenteur. Il propose sa vision de l'histoire et des forces de ces individus mis à l'écart par l'idéologie du progrès. Bon, vous m'excuserez, mais il est temps pour moi de lever le pied, de ralentir jusqu'à arrêter cet enregistrement. Et pourquoi pas d'aller lire dans ma cabane en bois ? Les Chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice.